Bonjour, je m'appelle Camille Brisset, je suis enseignante-chercheure en psychologie à l'Université de Bordeaux. Bonjour, je m'appelle Evie Dor, je suis psychologue clinicienne, je suis docteur en psychologie, formatrice à l'approche systémique et directrice de la collection Art de la psychothérapie aux ESF. Et nous sommes les responsables du diplôme universitaire APM. Accompagner les personnes migrantes à l'aide de la psychologie interculturelle. Cette formation a été créée en 2004 sous le nom de DU Psychologie Interculturelle. Nous en avons repris la responsabilité en 2017 avec une refonte importante dans les contenus pédagogiques. Et afin de mieux répondre aux besoins des professionnels, nous proposons depuis 2022 le DU APM. Cette formation, nous avons voulu lui donner une coloration systémique. Pour autant, nous savons que l'accompagnement des personnes venues d'ailleurs, des migrants et de la question migratoire d'une manière générale est une question qui demande l'abord psychodynamique. Dans ce sens, nous avons choisi des collègues aussi d'orientation psychanalytique, toujours avec la même perspective, c'est-à-dire l'observation de leur activité, de leur pratique clinique sur le terrain. Cette formation a été pensée pour les professionnels accompagnant les personnes migrantes ou travaillant en contexte interculturel. Oui, donc les psychologues, bien entendu, des médecins, des travailleurs sociaux, toute personne qui accompagne les migrants et leurs familles dans des contextes divers, protection de l'enfance, des coordinateurs, mais aussi des chefs de service, enfin, toutes les personnes qui se sentent concernées par la question de la migration et travaillent avec ce public. Afin d'appréhender la question de la migration et les enjeux de l'interculturalité dans toute sa complexité, nous nous inscrivons dans une perspective interdisciplinaire. Interviennent dans la formation des professionnels et des enseignants-chercheurs issus de différentes disciplines, psychologie, anthropologie, sciences politiques, droit et beaucoup d'autres. Donc, cette formation est une formation dynamique et clinique, avec l'idée que les apports théoriques, systémiques et psychanalytiques puissent donner des éclairages aux professionnels de manière à ce qu'ils puissent penser la clinique de la migration comme étant une clinique de la relation. Cette formation est pensée autour du lien, le lien étant fondamental dans l'accompagnement des personnes migrantes, lien entre les stagiaires, lien avec les intervenants et lien avec les responsables de la formation. Les anciens stagiaires du DU seraient les mieux placés pour vous parler de la formation, mais dans l'ensemble, les retours que nous en avons sont positifs. Oui, dès les premières rencontres, ils apportent déjà de pouvoir utiliser dans leur expérience clinique et pratique les apports du DU. Et puis, à la fin de la formation, ils sont nombreux à nous dire que cette formation a répondu à leurs attentes et est allée même au-delà de ce qu'ils imaginaient. Ce DU répond à un réel besoin sociétal qui est encore trop peu abordé dans les formations initiales. Il va donner des réponses théorico-cliniques et pratiques aux professionnels qui accompagnent les migrants et leurs familles.